Monsieur le maire de la commune urbaine de Ségasso, représentant des forces de défense et de sécurité de Ségasso, mesdames et messieurs les représentants des associations de migrants de Ségasso et représentants des associations d'immigrés à Ségasso, mesdames et messieurs les représentants de la presse, tout protocole rigoureusement observé. Ségasso dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de l'État et aussi par la ratification de nombreux accords, conventions et traités internationaux tels que l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Le tourisme des Maliens établi à l'extérieur et à l'intégration africaine et toute sa délégation. Madame le gouverneur de la région de Ségasso, Monsieur le premier adjoint au préfet de Ségasso, Mesdames et Messieurs les forces de l'ordre, chers invités, en voyant grade et qualité tout protocole observé. Je suis très heureux ce matin pour prendre la parole devant cette robuste assemblée pour vous souhaiter une fois de plus la bienvenue dans la cité de la Figuerie. Puisque depuis hier soir nous sommes ensemble et ce matin très tôt également nous avons cheminé ensemble et nous cheminons encore ensemble. Ceci étant, je tiens quand même à remercier très sincèrement le ministre pour avoir pris cette initiative vraiment salutaire en ce qui concerne la délocalisation de cette importante activité chez nous à Ségasso. Et comme on le dit, vous êtes chez vous. Et je crois que les Ségassois seront vraiment disposés. Je vous accueille à bras ouverts. Et ceci étant, je souhaite un très bon séjour et à toute la délégation venue de Bamako à Ségasso. Le général du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, monsieur le chef du cabinet du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, mesdames et messieurs les membres du secrétariat général du cabinet, du chef des services relevant du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, mesdames et messieurs des forces de défense et de sécurité, légitimité traditionnelle, coutumières et religieuses de la ville de Ségasso, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers amis de la presse, chers participants, mesdames et messieurs. Permettez-moi de prime abord remercier Madame le gouverneur de la région de Ségasso pour les dispositions qu'elle a bien voulu prendre pour la bonne tenue du présent atelier. Saluer la disponibilité et l'accueil de Monsieur le maire et de l'ensemble du personnel administratif et local de la région de Ségasso. Je saisis également cette occasion pour vous remercier sincèrement et fraternellement pour avoir répondu massivement à notre invitation à cette cérémonie d'ouverture de l'atelier sur l'état de mise en œuvre du plan d'action 2018-2022 de la politique nationale en matière d'intégration africaine du Mali. Madame le gouverneur, mesdames et messieurs, le choix de la région de Ségasso pour abriter l'atelier n'est point fort. Il se justifie par l'image qu'elle donne d'une région de brassage et d'intégration des cultures et des peuples. Cette image est aussi celle des carrefours, voire d'une région frontalière avec deux pays voisins du Mali. Cette image est également celle du triangle du Balafon qui résonne dans les cœurs et dépasse les frontières imposées aux communautés de peuples, jadis unies par divers liens multiformes de ce qu'il est. Ségasso, la cité verte, le symbole de la résistance, la cité qui porte la première couleur verticale des couleurs nationales, merci de nous avoir reçus.
en cette période de récolte au titre de la campagne hivernale 2023 à Sikasso, dont les prévisions sont encourageantes, nous avons de bonnes raisons de penser que la région de Sikasso peut être le grenier du Mali. Chers participants, mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez. Le Mali est un des rares pays à avoir inscrit en lettres d'or dans toutes ses constitutions sa prédisposition à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine. Notre pays a toujours été à l'avant-garde des luttes pour l'émergence de l'Afrique et pour l'intégration de ce peuple. Il n'a cessé de s'insurger tout au long de son histoire contemporaine contre les pires conséquences de la fragmentation de notre continent hérité de l'ère coloniale. Dans le contexte d'intégration régionale, l'intérêt du Mali est évident pour la promotion de l'intégration africaine à tous les niveaux, en raison notamment de son passé qui fait de lui l'héritier direct des grands empires ouest-africains qui ont rayonné à travers les âges, de l'engagement militant en faveur de l'unité du continent et ses pères fondateurs, de la légendaire mobilité de ses populations et de son handicapant enclavement géographique. Chers participants, mesdames et messieurs, c'est au regard de ce qui précède que les plus hautes autorités du Mali ont approuvé par décret numéro 0901-PRM du 26 décembre 2018 la politique nationale en matière d'intégration africaine et son plan d'action 2018-2022 pour permettre non seulement à notre pays de contribuer véritablement à la construction africaine, mais aussi de tirer davantage de profit des nombreux avantages du fait d'appartenir à un grand ensemble harmonisé. La vision malienne est celle d'une Afrique sans frontières, politiquement unie. Cette vision repose sur quatre axes stratégiques puissants: les politiques publiques, l'intégration économique et l'environnement des affaires, les politiques socio-culturelles, à savoir l'éducation, la santé, la jeunesse, le genre, le sport, l'art et la culture, et enfin la communication autour des objectifs et programmes de l'intégration africaine. Chers participants, mesdames et messieurs, le décret d'approbation de la PENIA a été contresigné par 17 membres du gouvernement. C'est dire qu'il s'agit d'un projet éminemment global et transversal dont la mise en œuvre exige une adhésion pleine et entière de toutes les forces vives de la nation pour l'atteinte des objectifs assignés. Chers participants, mesdames et messieurs, à l'ère où le Mali est en pleine refondation et dans un monde en pleine mutation, il est évident qu'après un premier quinquennat du plan d'action de la PENIAM, il est naturellement indiqué de faire le bilan de sa mise en œuvre. D'une part, et d'élaborer des perspectives en vue d'un nouveau plan quinquennal d'autre part. Aussi, cet atelier se donne pour objectif d'échanger sur l'état de mise en œuvre du plan d'action 2018-2022, la politique nationale en matière d'intégration africaine. Pour cela, vous attellerez à faire le bilan de la mise en œuvre du plan d'action 2018-2022, identifier les difficultés rencontrées pour l'exécution du dit plan d'action, proposer des perspectives pour une amélioration du plan d'action et enfin échanger sur les stratégies de financement du plan. Chers participants, mesdames et messieurs, en espérant sur la participation active de vous toutes et de vous tous, je déclare ouvert les travaux de l'atelier sur l'état de mise en œuvre de la politique nationale en matière d'intégration africaine et vous remercie pour votre aimable attention.